diagnostic positif d'adénopathie superficielle est celui de la palpation de ganglions lymphatiques hypertrophiés mesurant 1 cm. Il existe 5 aires de palpation des adénopathies superficielles: cervicale, axillaire, inguinale, épitrocléenne et rétrocrurale. Les aires ganglionnaires cervicales drainent les territoires du cuir chevelu, de la face, de la sphère ORL et de la thyroïde. Les adénopathies cervicales se palpent du bout des doigts. On commence par les adénopathies occipitales, à la base du crâne, préauriculaires, au niveau du tragus, parotidiens, à l'angle de la mastoïde, sous-maxillaire, sous-mentonnier et jugulo-carotidien à l'avant et à l'arrière des muscles sternocleidomastoïdiens. Les aires susclaviculaires drainent le territoire du médiastin. Ils se palpent également du bout des doigts au niveau des creux susclaviculaires. La présence d'un ganglion de Troisier au creux susclaviculaire gauche doit faire évoquer une pathologie tumorale sous-diaphragmatique et sa présence s'explique par le mécanisme de drainage via le canal thoracique des viscères sous-diaphragmatiques. L'aire épitrocléenne draine l'ensemble du territoire de la main et du bras. Il se palpe le bras discrètement fléchi à 3 cm de l'épitroclée dans le sillon entre le biceps et le triceps. Les aires axillaires drainent le territoire du membre supérieur, de la paroi thoracique et de la glande mammaire. Elles se palpent du bout des doigts au niveau du creux axillaire en partant du haut vers le bas et en raclant la paroi thoracique. Les aires inguinales et rétrocrurales drainent le territoire des membres inférieurs, des organes génitaux externes et de la marge anale. Ils se palpent sur un patient allongé du bout des doigts au niveau des creux inguinaux. Certains ganglions physiologiques, notamment au niveau des creux inguinaux, peuvent mesurer jusqu'à 2 cm. En revanche, la présence d'un ganglion infracentimétrique au niveau du creux susclaviculaire gauche peut être alarmante. L'ensemble des éléments de l'interrogatoire, des caractéristiques physiques de l'adénopathie palpée et l'ensemble de l'examen clinique complet doivent permettre d'orienter le diagnostic vers 3 principales étiologies: infectieuses, tumorales, qu'elles soient primaires ou secondaires.